arrivé quatrième chez nous à Tahiti. On est arrivé deuxième l'année dernière. Et je pense que l'année prochaine, on y va pour gagner cette Coupe du Monde, sans exception. En 2011, on a commencé à jouer. On a joué notre première Coupe du Monde en 2011 à l'Arena. On était des étrangers et on ne savait pas encore trop comment jouer au beach hockey, c'était la première fois. Mais maintenant, je pense, en 5 ans, on a vraiment beaucoup évolué. Mais je ne sais pas comment on a fait, mais maintenant, en 5 ans, on arrive à titiller les grandes équipes. Et ça, grâce à un bon coach aussi, je pense, il nous a beaucoup servi, Angelo Cirinzi, qui est un grand homme dans le beach soccer, et je tiens à le remercier. Donc oui, je pense que les équipes maintenant, ils ont un peu, je ne vais pas dire peur, mais je pense qu'ils ont un peu peur de Tahiti maintenant, mais nous, on reste comme on est, on ne veut pas changer. Voilà, on y va pour gagner toujours. Et effectivement, ma vie a beaucoup changé depuis que j'ai gagné ce titre de meilleur joueur de la Coupe du Monde. C'est pas donné à n'importe qui, mais je ne l'ai pas vite réalisé. Donc ça devait être des mois plus tard que j'ai réalisé que j'étais vraiment le Golden Boy. Voilà, ma vie a beaucoup, beaucoup changé. Je voyage beaucoup plus. Je joue dans plusieurs championnats. C'était, on dit ça, unbelievable en anglais, mais c'était juste incroyable. Mais voilà, je remercie plutôt le Seigneur de me guider dans ce droit chemin.